qui les a échappés. Mais j'estime quand même que c'est assez important qu'on essaie d'éclaircir cet aspect des choses là une fois. S'il est vrai, nous aussi. Il y a tout de suite un bon, mais aussi assez intéressant, il faut prendre le pain pour toi. J'estime que si nous avons eu un bureau et que nous leur avons donné un mandat pour une année, s'il est vrai, il est aussi vrai qu'ils doivent reprendre ou bien encore essayer de nous donner des justifications sur l'exercice de leurs fonctions. Et cela, il ne faut pas qu'on essaie de faire des choses au chemin. Il faut que ça soit un peu plus clair. On est venu ici à un bureau qui est vide. Les gens qui sont là dans l'Assemblée, donc, ok, ce bureau, qui est d'une manière ou d'une autre, qui n'en est pas, mais ce bureau, à la suite des élections, a été accepté et ce bureau travaille. Maintenant, à la fin du mandat de ce bureau, les Centrafricains sont à même de poser des questions sur certaines choses qui ne sont pas assez claires. Je ne voudrais pas qu'ici, on essaie de piétiner sur les choses. Il faut qu'on essaie de nous séparer de toute relation, que ce soit conjugale ou autre. Ça, il y a une trésorière, si on pose des questions, ensuite, elle va reprendre. Et j'estime que pour nous avancer dans notre débat, on va éviter un certain nombre de choses que moi j'appelle des redondances. Il faut qu'on évite les tutoiements. Et j'estime quand même que, j'estime pour ma part, qu'il n'est pas aussi normal que les choses se passent comme ça pendant qu'on est en train de suivre une personne, il y a un bruit qui se passe au fond là-bas. Ça ne donne pas de la valeur et de la considération pour ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous estimons que si aujourd'hui les Centrafricains sont venus à ce congrès, c'est ce qui les différencie de tout autre Centrafricain qui n'a pas pu venir. C'est ce qui marque leur sens du patriotisme, c'est ce qui marque aussi leur engagement pour la République centrafricaine et leur disponibilité. Donc il faut qu'on encourage déjà les gens qui sont venus et qu'on travaille dans un cadre assez transparent et qu'on laisse la possibilité aux gens de s'exprimer. Mais là où je suis un peu dérangé, c'est qu'il faut qu'on évite ce qu'on appelle de la redondance. C'est-à-dire quand quelqu'un pose déjà une question, par exemple, sur un aspect financier et que le même aspect est posé quatre fois, je pense qu'il y a problème. Si on parle par exemple des frais de restauration, pendant que la personne n'a pas encore eu la réponse, alors que ce même questionnement est revenu 3 à 4 fois, je pense que ça ne va pas nous avancer dans les débats et on risque de dormir même ici. Et j'en poursuis avec la permission du président. Je dis qu'on donne juste, il ne faut pas excéder 2 minutes, parce que si c'est au-delà de 2 minutes finalement, on ne risquera pas de finir ce problème. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si le président a quelque chose. Si le président n'a pas quelque chose, alors j'invite le bureau et j'invite le commissaire Octobre à pouvoir répondre aux interrogations qui lui ont été portées.